c'est très vraiment bas. Faible. Ouais, c'est très très bas en technique. Ouais, la chute du coup est très chère. Et comme quoi, il faut vraiment aller jusqu'au bout du programme, jusqu'à la dernière seconde. Donc, je pense que nos deux Français vont repasser devant. Alors, ça va être très, 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 très serré. Ah non, ils sont juste devant Charlène et Guillaume. Mais ils sont derrière Terra et Benoît. Donc, Terra et Benoît toujours en lice pour le podium. Donc, on vous le rappelle, Terra, Finlay, Benoît Richaud, qui nous ont époustouflés tout à l'heure, sont actuellement troisième. Alors, restons fair play, on ne va pas. Souhaitons bonne chance. Voilà, on va quand même souhaiter bonne chance au Tchèque, car c'est vrai que c'est un couple très agréable à suivre, vous allez pouvoir le constater. En tout cas, c'est maintenant que se joue le podium définitif sur le passage de Lucie Mislivekova et de Matej Novak. Ouais, super, ouais. Ben on l'avait dit, hein, malheureusement pour le couple tchèque, Alban, de grosses erreurs, une énorme chute pour Lucie Mislikova et Matej Novak. Un programme complètement raté, là, on peut le dire. Hein. C'est vrai, je vous l'avais dit un peu hors antenne qu'ils étaient fébriles.
que c'était un couple vraiment très intéressant, mais qu'il faisait souvent des erreurs. Ça avait été le cas au championnat du monde junior, où ils avaient fait que 12e alors qu'ils valaient un peu mieux. Donc, c'est quoi là, ils ont pris la pression, patiné en dernier. Ouais, c'est pas facile de patiner dernier, parce que déjà on se refroidit, on est moins dans la glace quand on remonte, quand on nous appelle. Donc là en plus ouais, ils avaient un peu la pression. Ils savaient que les Shibutani avaient mis la barre mis très la haut barre très donc haut, ouais. Peut-être qu'ils auraient dû viser la deuxième place, ça les aurait peut-être ouais, c'est dur hein. Là on le voit sur leur visage, ouais. La déception doit être immense pour les Tchèques qui étaient donc troisième du classement provisoire. Et nul doute qu'après, on voit, oui, malheureusement pour eux, tête basse. Nul doute qu'après la contre-performance de ce programme libre, ils vont rétrograder au classement. Ben, on ne sait jamais. Hein. Alors, la danse. On ne va pas se réjouir trop vite. Hein. Mais c'est vrai que là, on est troisième pour l'instant. Ils ont fait des erreurs. Donc, ouais, on les a vus. On en parlait tout à l'heure de la difficulté à repartir, ouais. Après une erreur. On l'a vu après la chute, ils étaient quasiment à l'arrêt sur la patinoire. Benoît le disait, c'est très dur de se relancer. Physiquement déjà c'est très dur, moralement c'est très dur. Et voilà, il y a la chute qui coupe tout leur élan, et après ils sont obligés de repousser vraiment pour. Ils ont un porté qui enchaîne juste derrière, ils sont obligés de le faire, sinon ils perdent toute la valeur du porté. Donc ils sont obligés de le faire, mais à l'arrêt, et bah, bien sûr ça casse toute l'harmonie du programme. Alors, on attend donc les notes des Tchèques. Ce qui est sûr et certain maintenant, c'est que la victoire n'échappera pas à notre famille Maya et Alex Shibutani, les Américains, qui devanceront les Canadiens. Donc, le classement n'aura pas bougé à l'issue de la danse libre, qui devanceront les Canadiens, Caris Ralph et Asher Hill. Les notes tout de suite avec vous, Alban. Ouh là, c'est haut quand même. Oui, on est assez surpris. La note est très élevée par rapport à ce qu'on a vu sur la glace. Bah voilà. On s'est peut-être avancé un petit peu. On s'est avancé carrément. Ils vont probablement rester en troisième position. Donc c'est un peu mystérieux. Ils sont troisième. Et ils sont troisième. Ils conservent donc leur place sur le podium. On avoue qu'on est un petit peu surpris. Alors peut-être qu'on va redire le mot, on n'était peut-être pas très objectif avec le couple français, mais c'est vrai quand même que si l'on devait comparer les deux programmes, celui des Tchèques et celui des Français, il n'y avait quand même pas photo. Bon, les Français sont devant sur le programme libre, mais...